Bonjour, je m'appelle Pierre Pfefferlier et je suis le directeur du service des sports UNILEPFL. Les sports universitaires Lausanne s'engagent depuis toujours pour une activité physique réfléchie. C'est en ce sens que cette série de vidéos en visite chez est conçue. Nous voulons vous faire partager des informations, des conseils, des connaissances sur des activités physiques que vous pouvez pratiquer à la maison. Ainsi, nous devrions ensemble savoir quand, comment et pourquoi faire telle ou telle activité. Depuis cet épisode, je vais rendre visite au maître de sport du Centre Sport et Santé, aujourd'hui chez Jérémy Rosset. Jérémy a rejoint notre équipe il y a 2 ans. Grand connaisseur du secteur de la condition physique, il a aussi d'importantes compétences dans le domaine du volleyball. Ok, salut Jérémy. Alors, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui ? Alors, mon objectif, c'était de te sensibiliser, de vous sensibiliser au sujet de l'activité physique à basse intensité. Parce que dans notre société, on a tendance à être des sportifs sédentaires, c'est-à-dire qu'on a beau faire 5 heures de sport par semaine, si on passe le reste de son temps assis, eh ben, ça ne va pas servir à grand-chose. En tout cas, ça va diminuer les bienfaits de ton activité physique. Et puis encore, on est certains à avoir une heure de pause à midi, on se stresse à faire du sport rapidement, à se dépenser rapidement, et ça, ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Donc voilà, aujourd'hui, on vit un moment un peu spécial. Le monde fonctionne au ralenti. C'est pour cela que je te propose toi aussi de ralentir un peu l'intensité de tes efforts, déjà pour protéger ton organisme, parce qu'on sait que l'entraînement à haute intensité va fragiliser tes défenses immunitaires, et puis surtout pour revenir à la base de l'entraînement, à la base du mouvement. Ok, moi je te remercie pour penser que j'ai des entraînements à haute intensité, ça me fait vraiment très très plaisir. Mais disons, je pense aussi effectivement qu'avec le confinement que l'on vit chacune et chacun actuellement, eh ben, c'est quelque chose qui va inévitablement baisser notre activité physique habituelle. Donc, qu'as-tu à nous proposer comme moyen pour évaluer notre niveau de condition physique au jour le jour ? Alors, ce que je te propose, c'est le test de Ruffe-Dixon. C'est un test qui est super simple à réaliser. En plus, il te permet une très bonne analyse. En plus, si tu as continué à t'entraîner en dehors et puis que tu penses réussir ce test haut la main, je te conseille quand même d'essayer parce que tu peux être surpris. Tout ce que tu auras besoin, c'est d'une chaise et puis d'un moyen pour évaluer tes fréquences cardiaques. Un simple cardio-fréquence-mètre suffira, mais si jamais on peut se débrouiller, il n'y a pas de souci. D'accord. Puis c'est un test que toute personne lambda peut utiliser, soit le basketteur, le skieur, le marcheur de tout âge. Ah, effectivement, tu sais très bien que tout exercice exige que le cœur produise un effort. Et puis cet effort, il va se traduire par une accélération de son pouls. Et puis si cette accélération, elle est importante et puis persistante, eh ben, on n'est pas vraiment adapté à un effort physique. Si par exemple, tu montes les escaliers et puis que tu ressens cette hausse de fréquence cardiaque et puis que tu as un peu de peine à récupérer, eh bien, tu seras en manque d'endurance fondamentale. Donc tant pour la santé que pour la performance, notre but, il sera de faire baisser ses pulsations et donc d'améliorer de jour en jour ce test. Après les 5 minutes de repos, tu peux prendre tes pulsations grâce à ta montre de fréquence cardiaque au poignet, à la carotide, ou simplement sur la poitrine. Cela pendant 15 secondes et tu auras juste à multiplier par 4 pour avoir le nombre de battements par minute. Ensuite, le but du test est de réaliser 30 squats en 45 secondes. Prépare-toi à prendre tes pulsations à la fin de l'exercice. Attention! Tu peux maintenant te rasseoir pendant 1 minute.
une dernière fois tes pulsations. Grâce au calcul suivant, on trouve l'indice de Dixon. Ben, merci beaucoup, c'est une super indication. Alors maintenant, une fois qu'on a pu recevoir les résultats suivant le test en question, que peut-on faire, disons, nouveau chez soi pour améliorer un petit peu son état? Alors l'activité la plus simple et qui te fera du bien tant pour le corps que pour l'esprit, ça sera d'aller t'aérer 30 à 45 minutes par jour. Après, l'intensité que tu vas mettre, elle va dépendre de ton ressenti. À tout moment, tu dois être capable de pouvoir tenir une conversation qui est assez simple et puis sans t'essouffler. À toi aussi de choisir entre la marche, la course à pied, le cyclisme ou toute autre activité physique que tu veux. En revanche, si tu ne peux pas sortir, tu es bloqué chez toi, je t'ai aussi concocté une petite séance à faire dans ton salon. Donc voici la suite d'exercices que je te propose. Il y en a 3 que tu dois enchaîner toutes les 20 secondes pendant 5 minutes, soit 5 séries. On va commencer tout simplement par la course sur place. Tu peux aussi marcher ou alors faire de la corde à sauter. On enchaîne ensuite avec des variantes de fente. Et on finit par des variantes de jumping jacks. Donc voici qui achève la première série. Pour la suite, si tu as trouvé cet enchaînement trop facile ou trop difficile, n'hésite pas à changer de niveau. Le but, c'est d'avoir une sensation de fatigue entre 4 et 5 sur l'échelle de Borg. Ok, super, intéressant aussi. Maintenant, on a bien compris que justement l'endurance générale, ben, c'était en gros 45 minutes de mouvement par jour à des rythmes, à des cadences adaptées à la personne. Les exercices là que tu viens de nous proposer, ceci, ben, il faudrait les faire combien de fois par semaine? Alors je dirais même combien de fois par jour. Tu vois, c'est un peu comme se laver les dents, tu ne vas pas faire ça pendant 3 heures le samedi, mais tu vas essayer de les répartir plusieurs fois dans la journée. Il faut savoir que le corps, il ne supporte pas que tu sois statique pendant plus d'une heure. Donc moi, ce que je te propose, c'est que chaque heure et demie, tu mettes une alarme qui t'invite à bouger, à faire ces exercices ou bien d'autres formes d'assouplissement, de renforcement de base, mais vraiment c'est des exercices qui ne doivent pas provoquer trop de fatigue dans ton corps. Donc merci Jérém, c'est toujours super intéressant de t'entendre parler de ce type de problématiques, donc un grand merci. Pour le prochain épisode, on aura le plaisir d'accueillir Pierrick Saint-Tron, qui travaille aussi au Centre Sport et Santé du Sport Universitaire Lausanne, qui a une formation de physio et qui va nous parler de l'épaule. L'épaule qui est une articulation compliquée et complexe. Et c'est vrai que dans le domaine du sport, elle pose des fois problème. Donc, on aura plein d'informations sur l'épaule. Merci beaucoup et au prochain épisode.